Alors Julie, comment ça va? Ça va? Où ça va comme ça là, avec coup de chapeau, de lunettes noires là? Ah ben là on va se promener. Ah bon, mais crois pas oui. Trop, ça promène non, le bassin là-bas. Non, là, nous promène pas, bon, bon, Vaudine est un peu en pause, ça va. Ben là on va faire une petite cuisine, hein, retrouver un petit peu les gens et tout ça. Donc, ouais, pour redémarrer bien l'année. Voilà, hein? On va bien redémarrer l'année. Une des premières cuisines de l'année. Hein? Voilà, c'est ça. Hein, d'accord. Donc là on est tranquille, hein, on est vraiment en mode vacances. Vous n'êtes pas maquillé voilà, du tout, donc on est en mode tranquille là. Pas niente, voilà, voilà, tout à l'heure, on va maquiller un petit peu. Ouais, puis, oui, voilà. Pas trop là, avec, hein, on est un peu de monde comme il connaît, il ne voudrait pas mettre azote dans la télé sans maquillage, hein, ou pas la trop que ça. Ou... Ben moi maquillée ou pas après, qu'importe, après je pense que c'est pas simplement ça qui compte, c'est aussi de la personne, comment il est, etc. Mmh. Après si, ben moi j'y adore le maquillage, donc c'est pour ça que m'y maquille et que j'aime bien aussi apparaître maquillée. Mmh. Et mais, on a une spécialité, voilà. C'est que vous gagnez maquillée ou dans l'auto. Oui, voilà. Hein, au moins comme ça, il est tranquille un coup. Hein. Ah oui, bon, hein. Si j'ai un long trajet à faire par exemple, il ne dérangera pas moins le conducteur, ben... Ou conduit et moi il maquille, donc il n'y a pas de souci. Voilà. Bon, bon, on a l'équipe de David Luizin, une grosse équipe de plus d'une dizaine de personnes, oui. Avec un bon civet canard pour démarrer l'année. Ah, oui. Et ensuite, moi, on l'a fait tuer par Daniel là-haut de bon coq là. Oui. Et Toto va faire nous un coq. Alors, on ne connaît pas comment il va faire nous ça. On va voir un petit peu. Mm. Aujourd'hui, nous aura Béna aussi sera là. Nous aura Dina, Andina Devi avec Krishna aussi. Oui. Et Patrick pour oui. Notre équipe à nous. Et puis après, l'équipe de David Luizin, pas mal d'artistes, de chanteur. Voilà. Hein, parce que ben écoute depuis nos pas partis de l'année dernière et ben là nos repas il faut refaire un petit peu les courses, on refait un petit peu le riz, l'huile, les épices et tout ça et ben après voilà. Nous arrive là-haut. C'est bon? Ça. Ben, en tout cas ben, bonne année à tous, que cette année commence bien dans la santé surtout et que ben, toutes ces violences que nous entend à la Réunion ben ça c'est un peu pour cette année hein, parce que tous ces crimes que nous entend et tout ça là il faut que ben, nous prenons un petit peu en main aussi. D'accord. Donc voilà. Ben, allez, bon, allez. Ben, nous commençons bien cette année. Allez, on y va. C'est parti. Alors, ben, bienvenue en 2022 à Bassin Labou. Ben, merci beaucoup, c'est gentil. Ouais. Ouais, vous voulez accueillir par les chiens de Bassin Labou. Ah, oui, toujours, hein. Coucou ouais. Les poulettes, comment elle est? Oui, ça bon, va. Il y a Daniel en train de nettoyer un petit peu, puis après on commence dans un instant, puis on attend tout le monde. On commence après, voilà, dans un instant, et on ouais. Attend tout le monde. Voilà. D'accord. Bah, allez, bon, allez. Bon, mais laissez le temps de maquiller, où alors? Bah oui, c'est pas mal. Ok. Bon, tu vois, là, allez. Je suis en mode tranquille. Ouais, ou là, on s'en va de deux doigts et tout, toi, ouais. Bon, à tout à l'heure, alors. Allez. Nanmoun! Nanmoun? Bah, qui c'est, les amis, monsieur le barbu là? Titi! À part que ça, avant non, ça, après ça. Aller. Au télé, ouais. Direct correct, et vieille flétrie. Là, on sort en France, on arrive ici, la barbe et tout. Au télé, il y a des bacs direct quoi, ou ouais, il y a ma ou même. Mais bon, l'équipe, t'es là, là. Au télé, là. Tout ça, là. Tout mon bon camarade, là, nous ensemble. Sa camarade, il paraît, bon camarade en France, avec Koulouba, on est bon fait. Mais Azote, même pas présente, Azote. Les bons, ça, ouais, un petit coup. Ah, où c'est qui? Comment elle est? Moi, c'est David, David Dussmann, restaurant comme à La Réunion. Voilà, mais en France. En France, même. L'année ici, vous dites, on reçoit un petit peu, des petits jours. Les bons. Ah, où le portier de sac? Ben, même pas le sac, moi. Ou pas le sac, alors. Magnacobane, maintenant. Ah, où prénom, comment? Damien. Damien, les bons, là, nous, Damien. Bon, Dial Segué. Comment ça va? Ça va, ça va, ça va. Ah, aussi, habitant en France, comme elle est là? De temps en temps, les rats, on habite quoi en France, on habite ici, ouais. Ah bon, parce que tout ouais. Banal apprend chemin barré. Non, mais le point est appelé à part là-bas, parce qu'il revient. Vas-y, regarde nos camarades, Titi, l'ami. Mais ouais, mais ouais, on va aller en vacances, moi, ça va, y'a. Oui. Tu sais, le. Ça, c'est le petit frère de Titi. Ah, ben, où ça, la barbe? Ouais. Hein, elle est bon. Ah, Jean-Paul Ivara, comment ça va? Vous allez là, vous n'avez fait quoi? La demande, ça vient avec Gwendin manger les bons. Je m'en mange les bons, tout ce qu'il faut. Alors, moi, la nuit. Moi, la nuit. Et là, moi, la semaine, on fait régime exprès pour. Et en plus, on va mettre toutes chemises à fleurs. Là, vous croyez que tu vas à Rio, là, non? Arrête de vous crater. Non, mais si maintenant, on va pas t'écrire la réunion dessus, là, mais t'es connais pas. Les bons, les bons, les bons. Là, dit la réunion, c'est des petits fleurs, c'est pas des grands fleurs. On va mettre des fleurs. Non, on la marque un point, les bons, les bons. Non, les bons. On a causé tout à l'heure. Avec ça,
voilà, voilà, hein, tout de costume vêtu, mon clavasse seulement. Oui, Richeville François Anderstedt, 4 shows. Ah. A aussi débarqué. Oui, de Paris, bon, ah, voilà. D'accord, alors, nous aurons l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Hein. Et Aou, c'est quoi, c'est tous ces drapeaux de la Réunion comme ça, là? En fait, tu nous fais encore un choix, là, alors. Ça, moi, je suis Grégory, je suis Toulouse, je suis organisateur, quoi, j'ai une association réunionnaise. Ouais. Et donc voilà. Ah, ok. On voit que tu as l'accent, hein. Eh oui, Toulouse, l'accent hein. De Toulouse, ah, c'est ça. Ah, ouais, ouais, je connais l'accent de Toulouse, là. Et Ali Mamaya, c'est qui? Bonjour, moi, c'est Nuno. Nuno. Moi, c'est le camarade de David Luzin. Oui. Et vu que lui-même fait la fête, et David, là, voilà. Rencontre Ali dans la soirée. La soirée créole, là-bas. En Vendée. En Vendée. Donc, connais, rencontre. Et belle rencontre, un bon dallon. D'accord. Et donc, quand il vient à la Réunion, il passe toujours à moi. Donc, il était content, waouh, aujourd'hui. Mais voilà. C'est pas lui le cuisinier, là, non? Non, non, pas le cuisinier. Non, Ali, il fait l'électricité, lui. L'électricité, alors. Il se met courant de mamite. Voilà, hein? Voilà. Bon, Ali, garde, c'est un problème. D'accord. David, en tout cas, mais c'est bien, il me roule la menu de guitare. Donc, oui, je vais dire que nous rentrons l'ambiance. En tout cas, mais je souhaite une bonne année avec toute l'équipe Canal Austral. Merci. Et puis, à nous plaisir que Oula accorde à moi ce privilège. On démarre l'année comme ça. Et en plus, fait plaisir à mon bandalo de Métropole TV, absolument rencontrer. Vu que vous allez en vacances. Ah, d'accord. Ici, alors. Et tout ira pas. Ben voilà. Très bientôt. Bon, okay. Donc, du coup, merci bien. Et ben, j'espère passer un bon petit moment comme d'habitude. Les bons, là, qu'est-ce qu'il y a au menu, là? Ben, le frère Titi, là, il fait un civet canard pour nous. Un civet canard. Damien a dit ça fait un porc pomme de terre. Les bons. Et après, Toto, apparemment, ça bat des volailles. La fille bat aux volailles ce matin. Trois coques là-dessus. Trois coques ce matin, là. Et les bons. Parce que nous aura des trois camarades. Talia va arriver, Bernard va arriver, Toto va arriver, Bernard un instant, Patrick un instant. Et puis après, Andina Devi avec Krishna. Ah, ben, on doit connaître. Oui, oui, hein? Oui. Et puis après, ben, Julien finit d'arriver, comme d'habitude. Ben, Julien oui. Parti habillé, changé, tout ça. Le Wally, un instant, il finit d'arriver. Et là, ouais, Titi amène Bobo Banane. Les bons. D'accord. Bon, Titi, nous ça va? Allez, nous ça va alors? Allons. Allez, traversez alors. David, conseil, ça fait bouillir. Ben, apparemment, Damien, ça fait un porc pomme de terre. Ah bon? Mais à moi, vous connaissez, à moi, la cuisine, il fait deux. Hein. Ah. Vous connaissez depuis dernier au Gaïs. La première fois, on gagne saucisse, c'était bon. Tout le monde a dit comme ça, au Gaïs, on gagne saucisse. Bon, ben oui, mais la base, quoi. Mais après. Vous n'avez pas fait? Non. T'as dit non. Parce qu'on est madame qui a fait, donc c'est pour ça que vous avez fait. Mais à moi, non, merci. Mais bon, là, la femme va mettre le porc bouillie pour la un peu de l'eau. Hein? Ça, c'est celle de Damien, ça. Ah, ça, c'est pas les vôtres, ça. Ah, aussi, c'est le canard. Voilà. Bon, Damien, dis-moi un petit coup là. Là, on mettait des bouillis pour quoi? Pour lui lâcher un peu de l'eau? Lâcher un peu de l'eau, comment nous gagner un petit peu aussi? Ah, c'est bon, congélé, d'accord. Alors. Hein, parce qu'il est un peu congelé. D'accord, alors. Voilà. Hein? Et après, vous, ça fait rien, pomme de terre. Un carré-pomme, pomme de terre, alors. Oui, carré-pomme. Mais bon, Toto, ça fait un petit massalé coq. Nous as-tu le coq là-bas? Hein? Comment elle est, Toto? Bonjour, Jean-Claude. Bonne année. Bonne année. Nous commençons bien. Nous commençons bien. J'espère l'année 2022 va apporter tout le monde une meilleure santé, une meilleure voir les choses. Mmh. Et puis voici, venez toujours sur le canal Austral. C'est bon. Et puis nous demandons à vous de venir plus nombreux cette année. D'accord. Là où ça commence l'année avec un petit massalé, un massalé coq. Oui, c'est pour la bouche. Pour la bouche. Bon, là. Daniel a tué trois coqs ce matin. Ouais. Hein? Et donc, un petit massalé, mais j'espère un massalé ici. Nena. Nena, massalé Marie Charlotte, Nena. Donc, c'est bon, on l'a fini de nettoyer. On va passer un petit peu dessus, on va s'arranger un petit peu. Mais normalement, on connaît Daniel quand il nettoie là. Il faut faire les propres liens. Non, c'est bon. Hein? La pointe de souci. Voilà. Et où est Sylvie Canard? Ah, mon petit Sylvie Canard. Sylvie Canard classique et tout ça. Classique. Oui. On amène du vin royal. On amène le royal, on amène tout ça qu'il faut juste pour. Mais quand on est en France, ça va où, comment on fait qui? Non, mais à moi, mais la Réunion. La mienne compagne, à moi, à cette. Pendant que ça fait cette musique, à moi, ça. Ça. Je vais dans notre palais. Mais bon, alors, je vais dans notre palais alors. Voilà. Mais bon, ok alors. Bon, mais Mila, ça zote alors. Hein? Hein? La poitrine? Oui, ben. Ben, nous, les là, même avec comme nous, voilà, 10 plus 14, 14, 15. C'est bon? Là, c'est? Ouais. Et voilà. Le porc est fini bouillir alors? Ben, vous savez que vous parliez un instant? Un instant, mais c'est mieux à ça vite fait. Ouais. Comme ça, ça y est. Mais bon, là, autant de préparer les épices ou alors? Ouais. Hein, l'ail, les oignons, le thym. Gingembre dedans, non aussi? Un petit bout. Un petit bout aussi? Hein? Voilà, donc prépare toutes les épices alors. Toi aussi, tu ne prépares pas aux bonnes épices. Hein? Et après, Patrick l'arrivée. Patrick, comment ça va? Hein, ça va alors? Ben, bonne année! Hein, première émission de l'année! Ouais, mais bon là, qu'est-ce que ça fait avec Caraïbes là? Ah, ça fait donner un coup de main Toto là alors! Hein?
Et ça fait revenir un peu le poulet avant. Hein? Ah bon, Massalé fait revenir avant aussi ça alors. Il fait, il paye. Attends, mais demande Toto alors. Hein? Ça, une nouvelle méthode, Massalé il fait revenir le poulet avant. Oui. Il peut. Hein? Et là, on a des épices aussi, et puis là, parce que oula, autant de prépare aux épices pour le canard. Voilà, pour le canard. Les canards. Ils ont un petit coucou sur la mettre dans, comme ça là. Voilà. Donc pour l'instant, on va mettre l'ail, on va mettre un feuille, quatre épices. Oui. Avec. Autant deux, trois feuilles, deux, quatre trois, épices. Trois, et, feuilles, il manque quatre. Le un. Oui, fait 1, 2, 3, 4. Hein? Avec des petites feuilles Ravinsara. Ravinsara, hein? Voilà. Mais une différence entre 4 épices et Ravinsara, alors? La feuille plus petite, Ravinsara. Voilà, hein? 4 épices, un petit peu plus gros. Voilà, et les parfums aussi, différents? Le parfum est très différent. Ah, très différent. Oui. Et vous mélangez deux aussi, alors? Vous mélangez deux. Ah, donc, la pointe d'incompatibilité, elle est bonne. La pointe d'incompatibilité. Elle est bonne, alors? Elle donne le goût. Elle donne le goût. Voilà. Ah, les gars, il y a ça, alors. Et donc, là-dedans, on a l'ail, on a donc 4 épices. Voilà. On a un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Ravinsara. Ravinsara. Girofle aussi. Girofle, un petit peu. Les bons. D'accord. Moi, ici, c'est éteint. Et n'oublie pas rien. N'oublie pas rien. Hein, voilà. Et là, on a pris ça dans un pilon, bien, Kalou, là. On a dit comme ça l'année dernière, on a dit nous construire ça. Mais là, comme 2022, nous pourrions encore. Hein. Moi, ça, c'est le Kalou, ça, c'est le pilon. Dis-moi un petit coup, là. Moi, ça, c'est le Kalou. Oui, ça, c'est le Kalou. Ça, c'est le pilon. Ça, c'est le pilon. Voilà. Donc, pile dans un pilon. Hein. Le pilon. Les bons, là, les bons. Voilà, c'est ça. Et le canal est. Bon, il est encore là-dedans. Hein? Il vient, il vient. Il est frais ou bien il découpe tout. Ah, il découpe tout. Ah, il rentre dedans. Hein? Vous avez l'avantage avec bonne caméra comme ça. Il rentre dans le sac plastique. Tout. Des fois, dans la poubelle, bien. Tout me rentre. Ah, ouais. Ben, si t'as jeté une affaire, pas fait exprès, il rentre dans la poubelle tout. Ouais. Oui, ça est gardé. Ben, ouais. Non, il y a que le canal Australie se passe d'affaires comme ça. Ah, oui. Et c'est là que c'est bon. Il manque pas nos camarades là, non? David, c'est là que c'est bon, non? Ben, écoute, il n'est pas là. Ben, nous faisons un petit coucou alors. Faisons un petit coucou. Salut mon ami. Ça va bien? Bonne année. Mais la Béna, comment ça va? Oh, ça va, le bien en date. Bonne année. Parce que première émission de l'année. Hein. Ouais, mais il y a santé. Bonne année à toute la Réunion, toute la France, tout ce qui regarde à nous. À la France surtout, parce que nous, hein? On a beaucoup de gens qui viennent de la France ici. Hein? Ouais. Sauf les deux cuisiniers. Hein? Ouais. Les deux cuisiniers, ils pas de la France. Oh, hein? Et là, quand ils cuisinent, tout le monde sort en France. Ils arrivent en France. Peut-être que Banane cuisine pas comme nous, non? Hein, c'est comme ça quand nous allons en France. Bonne année, cuisine pour nous. Ou quoi ou? J'espère. Allez, bon. Bon, bien, en tout cas, bienvenue. Hein. Ben, on a le barrière, t'en as où hein? Comment ça va? Bonne année. Les bons, ok alors. Et là, je fais revenir le poulet comme ça alors. Hein? Non, pas fait. Vous ne connaissez pas moi? Et Massalé aussi fait revenir. Ben ouais. Hein? Ah oui, donc là, pas de problème. T'as vu, comme toi, qui c'est la Réunion, même pour le Massalé, quand c'est en petite quantité, hein, on peut revenir. Le bah oui, le coq, ah oui, comme ça. Bah ouais. Hein? Voilà. Et pas beaucoup, parce qu'il ne faut pas les dire aussi, là. Hein? Hein? Et là, après, rien dedans. Non, tu fais de sel. Un petit peu de sel seulement. D'accord, alors. Okay. Ils sont pas banal, hein? Vous êtes toujours avec, écoute. Avec de bonnes épices pour le canard là. Toujours en préparation. Voilà, hein. Au fil pile de bonnes épices là. Oui. Là on est aux oignons. Et après on a toutes les... La marine commence à mettre... Comment je fais revenir un petit peu, maintenant regardez un petit coup. Ben voilà, on fait revenir un petit peu par petit peu alors, hein. Voilà, t'as vu ça? Oui. On en profite, la pointe ça là-bas. La pointe ça là-bas, on fait boire. Non, il paraît qu'à Paris, maintenant, il a dit, il faut boire, vous connaissez, hein? Non, il fait, mais il dépend où ça roule. Ah, il dépend où ça roule. Ben moi, là-bas, ici, tu fais de boire, moi. Ah bon, ben il y a trop de dioxyde de carbone, c'est pas bon, trop de carbone. Non, mais par contre, ici, manger les plus bons. Ah bon? Ah oui. Attends, t'as gardé un coup là? Non, il voit pas de cheville, ou la cache de cheville. Mais baiser là, alors, comment il fait hein? Non, Jean-Claude, de vrai. Ou j'ai plus ça balade. Non, mais sinon, où tu appelles Béna aussi comme ça. Béna, ici, mangez pas meilleur. Meilleur. Bah, lui aussi, mais la cache de cheville, là, dis-le. Non, quand Béna fait la cuisine, on l'a vu dans le télé, l'autre fois là. Hein? Ah, bon, non, mais quand vous mangez, vous mangez. Comment on est bon. Et une spécialité qu'on aime bien de la Réunion? Ah, moi c'est carré poisson surtout. Carré poisson. Ah ben oui, il habite à côté de la plage là-bas, Saint-Gilles-les-Bains, donc c'est poisson. Ah ouais, bon carré poisson rouge. Bien, c'est sûr. Mais à moi, elle m'a le bar à quatre mois là. À moi, c'est Massalé Cabri, mon affaire. Massalé Cabri. Ah, mon affaire. Ça, c'est bon ça. Mais ça qui m'a enlevé, il laisse poli. Il laisse poli. Qu'est-ce qu'il y a avec? À moi, c'est mon Cabri. Ah, mon Cabri. Ah, c'est mon affaire. Il trouve Cabri bon père en France là-bas. Ouais, mais par contre, il y a une affaire entre nous, il dit doucement. Un gros cabri, 80 kilos, ou bien la bogue ça pour 50 euros. Ah bon? Ouais, bon, non. Et moi, t'es choqué. Moi, t'es choqué quand on a le cabri ici. Moi, t'es choqué. Non, mais un gros poisson rouge là-bas, comme vous disiez, un gros poisson rouge, 80 kilos, 50 euros. Ça ne trouve pas. Bien, non. Un cabri, 80 kilos.
50 euros. Ben oui, on fonce, oui. Ouais. Comme ça, on va banner à moi. On tire, donne à moi. Ben, un jour que ça va, nous va se le cuisiner, 50 euros. D'accord, alors, les bons bébés, mais ça quand même, tu coupes un Titi, t'en fais prendre de terre. Titi, la coupe frère, il pour mettre un peu en cuisine. Ben, là, j'aimerais bien faire un petit peu le commis, puis ça fait pomme de terre. Mais à moi-même, là, si à moi, tu fais qu'une boule pomme de terre, ou mettre un clapot tout. Il paye. D'accord. Bien, je vais un petit coup bien enlevé quelque chose, dis-moi. Hein? La table est bonne, moi. Oui, la table est bien. Moi, on finit de préparer la table toute. La pomme, tu n'as pas pour mettre là-dessus, non? Ce qui fait un peu vilain, non? Ben, les bons bien, mais là, ça va, là. Les bons. Hein, vous avez vu vraiment comment Bernard ici occupe de tout, hein? Oui, des nappes. Alice, il y a la logistique, tu canales l'Australie. Ben, il faut. Après, Nestor, il passe au bar. Hein, il surveille son bar, nettoie son bar. Propos, voir Nestor, comment il est. Hein, t'as la marron passé parce qu'il n'était pas là. Ouais, c'est correct. Les bons. Ok. Hein? Et là, on peut remialer bien, même ou bien juste pour enlever son lot. Juste pour enlever son lot. Voilà. Après, on peut remialer après, il est sec. Sinon, après, c'est sec, après, il est dur, les épices ne rentrent pas trop dedans. Voilà, là, c'est ça. Mais bon. Donc, juste remialer léger et après une partie. Après une partie, hein. Voilà. Un bon civet canard. Voilà. Hein? Mais bon, m'a suivi bien les étapes pour voir un petit peu comment on fait. Ok, après. C'est bon? Ok, alors, c'est bon. Les verres revenir même là, il faut qu'on mette des pièces liens là. Non, ouais. Et Toto, ça sent de marmite là, on se met dans le marmite là, Toto. Hein? Bon petit massalé coq, là, on dit là, il fait bon, hein? En début d'année, comme ça là, hein? Que ça on dit où, hein? Le massalé coq là, en début d'année, il gaillasse, hein? Ils ont pas fatigué à garder s'il avait le massalé. La capine, là, il s'est gazé le massalé. Non, Nena, bon, on envoie le massalé. Nena, massalé. Massalé, mamie Charlette. Hé, là, où commence la saison, allez, où là? Hein, on prépare même là, on prépare même là. En préparation, en train de rougir encore. En train de rougir encore. Voilà. On fait rougir, tu veux pas, tu fais où là, voilà. Là, tu peux me mettre à côté. Je vais faire un coup parce que sinon, ça, il a trop de l'eau. Il a trop de l'eau. Voilà. Donc là, un petit peu. À l'instant, on là, on prépare les oignons verts, voilà. On prépare toutes les bonnes épices. Voilà. Au moins, quand il s'en va. Voilà, c'est ça. L'autre côté, là-bas, à où tu prépares tes pommes de terre. Pommes de terre. Après, c'est un carré créole, hein? Oui, carré créole, pomme de terre. Il fallait comme un carré créole normal, oui, et après, on rajoute pomme de terre dedans. Voilà. À la fin, pomme de terre. Ben, laisse le canard cuire un petit peu. Ouais, parce qu'elle est cuite, c'est vite, les pommes de terre à la réunion. Hein? Un petit peu vite. C'est pas dur, trop dur, ça. Ben, mais bon, là, ok. Là, le massalé, elle rajoute toutes les épices d'un coup, hein? Oui, l'ail, oignons, gingembre, safran, tout d'un coup. Hein? Ouais, vu ça, Titi? Les escabeaux. Les escabeaux? Ouais. Ah ouh! Ah. Ah, donc ça est un coq massalé. Et pas un coq au vin. Et encore moins un coq au lit. Non. Le meilleur, c'est un coq au lit. Un coq au lit. Bah oui. Vous connaissez comment il fait ça? Oui, il prend du beurre et mettre de l'ail dedans. Voilà. Hein, aioli, hein? Après, vous parce que sinon, l'aioli, il y en a un coq au lit. Non, vous voyez vraiment comment il fait un coq au vin? Hein? Et en Afrique, là-bas, il explique bien comment il fait un coq au vin. Bah, en Afrique? Oui, bah, là, il prend un coq, il rouvre la bouche, il remplit de vin. Ah. Après, quand le coq le souffle, il dit, voilà un coq au vin. Patrick, vous allez comme ça, les cachettes. Après, par bon, avant, on mettait calcul vraiment, on me dit comme ça, vous voulez pas en Bourgogne, hein, mais quand même, peut-être qu'il va expliquer à nous un coq au vin, la vraie recette, quoi. Hein, mais les gars, tu es net. Non, allez faire toi. Mais les commissions, comment bien? C'est un coq sous au vin. Non, il prend le foie de Saint-François, l'amène ça là-bas. Là, pour le coq, la roue, la mettre l'entonnoir dans la bouche. Hein. Après, la vie de vin dedans. Et bon, l'Africain, il regarde, il dit, ah ouais, c'est vrai, c'est bon, c'est vrai, c'est joli. Et quand le coq a dérivé comme ça là, il a dit, voilà, mes amis, voilà un coq au vin. Ah bon, moi, je me connais des bois au canard, mais comme là, il boit aussi le coq avec le vin. Ben, coq les sous. Ça, c'est la recette du chef Jean-Paul Crodon Orange. Ah bon, d'accord, là, ok. Il va pas tomber les cordons oranges. Cordons oranges. Bientôt, il y a des cordons mauresses. Il doit avoir l'ambiance là-bas qu'on soit en France, exactement. Mais on met pas mal maintenant. Mon Dieu. Bon,
Après, fais-moi plaisir que vous allez content de passer un petit moment comme ça. Parce que, comme il est là-bas, vous accueillez moi bien en France. Donc, bien accueilli, prête à moi l'auto, prête à moi la case. Voilà, encore il y a de la même manger. Ali, il y a même poisson. Mais mange plus poisson sans case que mange à La Réunion. Et encore, Maccabi. Maccabi, oui. Oui, pour le Maccabi, on casse plus son case. Eh ben, dis donc, mais c'est bien, Jean-Claude. Le seul soir, le n'y prête à lui tout là-bas. Sauf les femmes. Ah bon? Ah non, ça n'y prête pas lui, ça. Ça fait une débrouille. Non, parce que son madame, il écoute. Voilà, voilà. Le divin, il écoute à nous, là. Coucou, le divin. Il manque à où il cité. Ben voilà. Julie, tout seul. En plus. C'est bon, alors le cabri. Là, le film rajoute tomate dedans. Le film rajoute. Massalé, bon encore là. Massalé, bon encore. Julie, regarde le massalé. Écoutez, les jolis massalé, Patrick, oui. Massalé, Patrick, Toto, hein. Massalé, Toto et Patrick, Toto. Voilà, c'est ça, à deux. Coucou, Toto. Voilà. Il faut qu'on mette massalé. La couleur est déjà jolie, la Et voilà le massalé tout de suite après. Ça c'est massalé, tu as les rajouter un petit peu peut-être. Alors ben en tout cas oui, un bon petit massalé coq avec son bon gésier dedans. Regarde ça comment elle est jolie là. Un petit peu de l'eau dedans. Viens voir ça. Ah, on est dans la caloupine ou? Oui. On met caloupine dans le cibé canard. Ah, on tourne sur Freedom là-haut. Vous connaissez Freedom comment il est ici? Non. Viens voir celle-là, viens voir celle-là. C'est joli, hein. Là, on peut la caloupine là après. Ben, on va mettre ça à la fin, ça, pour qu'elle cuit bien, là. Voilà, hein, c'est pour, tout à fait, gustativement. C'est ça, Patrick, hein. On va mettre à la fin, ça, hein. Voilà. Hein. À moi, mettre des fois au début aussi, moi. On va m'y mettre au milieu, juste... comme ça, au début. Voilà. Ah bon, à vous mettre à l'île, comme vous... Je mettre un peu au début, après, on mettre un petit peu pour à la fin, pour relever le... D'accord. Vous avez vu, nous, on va gagner tout au milieu, aujourd'hui, hein. Oh, ça, c'est super. Parce que il fut un temps, la fois, qu'on voilà, la deux semaines de ça, nous, t'es rôde partout, ben, t'es dur pour trouver, qu'on au milieu, là. Hein? Ben voilà, là il couvre et il laisse cuit. Voilà. Bon, c'est super. Nous allons suivre le cibé canard à l'instant. Tout là. À fait. On est bon? Ah, ouais, d'accord là. Bon. Arrière. Là le canard il revient toujours là. Hein? Ouais. Il ne connaît pas son diaparti, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que là il est en train de revenir. Tout à fait. Hein? Ce canard est noir. Hein? Ce canard est noir. Voilà. Ça c'est une expression bien créole, ça, canard est noir. Hein? Mais il ne connaît pas ses essais. Hein, il faut un jour nous demander de monde. Il faudra que nous demandons aux gens, hein, parce que moi aussi, hein, mais ah, vous connaît où l'expression canard noir? Je ne connais pas, mais ça, c'est dans le monde depuis longtemps. Dans le monde depuis très, très longtemps. C'est à cause du vin que tu mets dedans, tu es en aligne noire. Ah, peut-être. Mais alors, c'est une piste, hein, mais il ne colle pas si c'est vrai. Peut-être, non, mais peut-être que ça. Ah, ouais. Nous, on va étudier. Son canard est noir. Son canard est noir. Peut-être c'est qu'on fait référence à quand il coupe le collet du canard et que la peau échange de collet devient bleue, il mord et donc. Il devient noir. Demande à quoi? Comment ça va? Ça va, Francis. Eh, Banaï, il pose une question là. Elle dit l'expression canard est noir. Mais où c'est ça? Ah, c'est un vieux proverbe, ce canard est noir. Ben, avant... Moi, je suppose que quand tu mets le vin royal, il est un peu noir. Avant, si on fait une connerie, on a des doutes dessus, ben, on dit le canard est noir. Le canard est noir. Fais attention, il y a un problème. Eh bien, donc, canard est noir. Toto, quand tu dis le canard est noir, fais attention. Hein. Toto, l'expression canard est noir. Non, le canard est vivant, il est blanc. Il a la plume blanche. Il n'a pas qu'à être dans le marmite, il dit il est noir. Toto n'a le mot pour rire. Hein. Moi, il pense que c'est ça même. Hein. Ça bon, peut-être, on connaît canard et noir. Je connais canard et noir. Ouais. L'expression canard et noir. Canard et noir de où on a fait un affaire à travaux. Ah bon? Ah, on a fait une bêtise. Mais qui a inventé ça? Ah, ça existe depuis longtemps. Hein. Depuis longtemps? Ah, ouais, toujours existé. Bon, alors, bon, là, en tout cas, le canard, il est en train de revenir. Hein. Ouais. Il a fini. Patrick, ce canard est noir? Ah oui, ce canard est noir. Là, ce canard est noir, là, qu'est-ce que là? Là, on fait revenir un petit peu, pas un petit peu encore, là. Hein. La fin. Est parti là, alors. Hein? Les oignons, donc marmite dans lequel on a un petit peu de l'huile de canard dedans. Hein? Voilà. Pas des inchangés, c'est la même chose. C'est la même chose, ouais. Et là, sur ce plateau-là, on est là, on a les oignons. On m'a vu qu'on a un petit peu de quatre épices. La ravine, ça va, celle-là. Hein?
Ça nous a râlé là-bas. Du thym, tout ça. Et où l'a vu ça Ah oui, Gaillard là, comme ça. Comme à La Réunion. Ça fait le voyage, comme à La Réunion. Comme à La Réunion. Ouais. Pour les gens qui écoutent à nous, qu'elle a pris de l'émission en route, comme à La Réunion, c'est autre restaurant. Mais c'est un restaurant réunionnais, en région parisienne. À Paris. Dans le 91. Dans le 91. Il tape sur internet comme à La Réunion. Comme à La Réunion. K-O-M à La Réunion. Voilà. Tout de suite. Et il trouve tout de suite. Tout de suite. Donc, si au cas un créole est en vacances à La Réunion, les films passent une semaine en France, il est fatigué, il mange tout à la crème fraîche. Ben il est ouais. Waouh. Il mange son masalé, son carré, son rougail et tout. Ah, ouais. Donc, après le thym, après les oignons, le thym. Le thym. Tout de suite après. Tout de suite après. Hein? Et le thym, vous mettez à l'huile dans l'huile ou L'huile, moi, il a avec son saveur. Ouais, vous feuilles pas lui ou Non, parce qu'il paraît que le thym est trop compliqué, des feuilles à lui, parce que je t'aime un peu, beaucoup, passionnément à la folie, il gagne pas avec le thym. Il gagne pas avec le thym, non, c'est pas possible. Ouais. Hein, il gagne ça avec d'autres fleurs. Mais là, traditionnel. Là. Ah, ouais, mais ça, Et pour avoir une bouffe comme ça, là, Ça, là, les habitués de cuisine, ça. Hein? En tout cas, cette madame, il ne peut pas reprocher aux autres. Il ne peut pas, Il ne peut pas. Fais-lui un petit coucou tout de suite, alors. Coucou, Rotantine, salut Gati, comment il dit? Mes amas, pareil. Là, voilà. Et où le plus tôt? Cuisine le dimanche, les week-ends? Oui, c'est plus dimanche. C'est plus dimanche. Chez maman, j'ai passé le frère. Ouais. Donc, c'est plus ça et c'est l'amour. Ah ouais, l'amour de la cuisine. Ah oui, c'est l'amour. Mais ouais, qu'on a l'amour de la cuisine, là, on a l'amour partout. C'est vrai. Partout. C'est vrai. Et une cuisine là, à la balle, les encore traditionnelles. Traditionnelles. Voilà. Mais pareil, nous faisons pareil. Hein? Des fois, peut-être avec le produit un petit peu plus amélioré, comme dit, on a eu le carré poulet, il veut y avoir la hanche, la cuisse, c'est ça, C'est moi toujours le beau poulet fermier, Le cabri frais. Oui, il trouve. La hanche de tomate dedans, pendant qu'on nous posait rien que tomate. Il y en a un petit peu. Quoi du si la sauce. La sauce, pourquoi on rajoute l'ail, gingembre, rien, on rajoute après. Vous l'avez, chacun dit, embrasse madame à sa façon. Mais c'est ça. Ah bon, mais embrasse mon nain, notre manière. Ouais. Un peu, ils mettent avant, mettent après. Voilà. Comme quoi que nous n'a de quoi faire cause de monde. Ben oui. Voilà, c'est ça, n'a de quoi faire cause de monde. Ah oui, non. C'est pour ça qu'en Australie, le champion pour ça, c'est cause de Moon. Nous, sans filtre, nous avons compris. Ben oui. Et puis après, nous devons rien à personne. Nous, chacun, il vient. Ben oui, chacun, il cuisine comme il a envie et comme il a l'habitude. Voilà, la pointe code. Voilà, Julie est arrivée aussi avec ses codes. Julie, t'as des codes, toi? Oui. T'as des codes? Parce que regarde, Lila, voilà, il n'y a pas mettre son lait, son joignon en fond là, L'ail, j'aime pas encore, Non, après. Pas encore, après. Vous l'avez vu ça? Ah, il a le coup de main. Il a le coup de main, Merci, maman. Merci, maman. Ça, c'est la recette de maman, ça, alors. Voilà. Et donc, il a fait exactement comme nous, c'est-à-dire joignon, le thym, tomate. Non, mais pas l'ail encore, pas de gingembre encore. Pas encore. Ça, c'est tout à l'heure. Tout à l'heure. T'as vu encore que chacun y embrasse son monsieur ou son madame à sa façon, Bien sûr. Vous l'avez vu. Patrick, vous l'avez vu? Une autre méthode encore. L'ail, j'ai un jambe pourquoi rajouter. L'ail, j'ai un jambe, la papillon, non, il vient. Le sel aussi, pas encore. Avec la chaleur. Mais même le l'ail aussi, il cuit avec la chaleur. À moi, je ne m'y mette pas tout de suite pour qu'il ne perde pas trop le saveur. Ouais. C'est la fin, il a encore presque tout le saveur parce qu'en fin de compte, après ça, je vais être devant. Le vin, c'est un truc que... Le vin, ça enlève même un petit peu de saveur, ça prend le dessus, il y a le vin. Surtout le vin royal, qui est quand même un vin assez corsé. Donc, on regarde un petit coup le vin royal, Et aussi, tu utilises du vin royal comme ça, là-bas, en France? Le problème, c'est que des fois, il y a même des 3 petites bouteilles. Et vous, elle ne boit pas. On a toujours une bouteille, toujours là. Ça, c'est vraiment le cas exceptionnel. Ça, qu'on a la famille, tout est là pour nous-mêmes, nous faire. Sinon, on utilise d'autres vins. Non, c'est pas ça. Ça, c'est des vins d'Espagne. On utilise des vins d'Espagne. Oui, c'est un vin d'Espagne. C'est un vin corsé. Oui, c'est ça. Il faut prendre un bon vin. C'est costaud. Non, il ne faut pas prendre le petit Bourgogne, ceci, c'est là. C'est pas le bon vin, il fait là. Au contraire. Non, encore moins Beaujolais Nouveau. Oui, c'est ça. Ça, c'est le pire, ça. Voilà, ça, les fait bouffer sirop. Non, mais ça, le vin royal, c'est le top. Vin royal, est bon. Voilà. Mais après, le bon civet est né en Bourgogne aussi, pas oublier, le coq au vin. Le coq au vin, tout ça, Bourgogne. Et au télé, tu dis des Bourgognes, des vins de Bourgogne. Pourquoi? Parce que le vin de Bourgogne, il est quand même assez corsé aussi. Il y a certains que ça, Voilà. Donc c'est pour ça. Il y a recevoir un petit coup La couleur est jolie, Juste pour ça, la couleur est bonne.
Là, il manque, Julie, vous avez vu, il manque encore quelques épices. Oui. Mais ça ne saurait tarder. Regarde, là, il vient. Allez, là, il vient. Et là, ça, c'est quoi? Ça, c'est le l'ail, gingembre. L'ail, gingembre. Et le truc vert dedans, c'est quoi? Le thym, comme petit peu? Non, pas le thym. Il y a quatre épices. Ravinsara avec. Avec poivre. Poivre aussi. Pas poivre pour l'instant. Girofle non plus. Pas pour l'instant. Pour l'instant, pas encore alors. Après alors. Ah, ça à la fin. C'est bon, hein. En tout cas, ces épices m'ont mis de la fleur. Ouais. C'est joli, hein. On essaye avec comme ça. Voilà. Et là, il y a un petit secret, hein. C'est d'aller y rajouter dedans quelques petites feuilles de caloupiné dedans. Hein? Julie, l'arrivée fait cause. Demande-lui là. Ben, laisse de monde causer. Moi, je trouve que c'est très bien sa recette. Eh, hey, quand on milite dans le bichic, demande-la causer. Elle a fait le buzz. D'accord. Elle a fait le buzz. Hein? Voilà, là aussi, vous risquez de faire le buzz ou là. Ah, hein? C'est ça qu'il faut. Voilà, voilà. C'est le mélange des saveurs. Hein? Voilà, chaque après, saveur est importante. Dans les assiettes, les papas, les pas pareil. Voilà, voilà. Caloupiné, vous trouvez un petit peu là-bas ou? Si, il trouve. Il trouve? Il trouve. Ouais. Il trouve. Il trouve le pied ou le quartier indien. Ah, il trouve déjà. Ouais. Et les fraîches? Et les fraîches, ouais. Les fraîches? Ouais. Et ils poussent en France? Mais non. Ça ne me croit pas. Bonheur à Rennes. Bonheur à Rennes, beaucoup Bindin, ou bien l'île Maurice. L'île Maurice aussi. Ouais. Ah, donc, le carré poulet, ouais. Julie, on a un gros pied caloupiné ou non? Ah, oui, on peut exporter un peu en France, ça va? Ah, oui. Le pied caloupiné, les très grands chez nous, les magnifiques pieds caloupinés. Mais parce que l'entretien est bien aussi. Voilà. Coucou, coupe ça! Il vient tout le temps, c'est pour un pied caloupiné, il coupe pas ça! Il coupe pas! Il a sa limoge sur place! Et là, on rajoute toujours des petits trucs verts dedans là! Hein. Et là, on a pourquoi on rajoute du girofle ou du vin encore là? Hein. À la fin, encore ça alors! Et là, on la pointe encore de vin ou là? Hein. On la pointe de vin! Julie, t'as mis ça? Top, hein! Une autre méthode encore! Hein. Voilà! Et que les conseils donnent envie de manger là! Donne envie de manger! Là, vraiment, la vue! Là, hein. Déjà! Des fois, c'est le repas, c'est des là déjà c'est un curry canard voilà. sans safran hein. Ah ben là les jolis là, hein? Voilà. Il donne envie de manger. Et là on attend un petit peu et puis on rajoute après les dernières épices, hein. Et bon. Ah le masala avance, hein? Et c'est là où on rajoute une petite feuille caloupinée alors, hein. Et bon. Ah, mais le feuille caloupinée, elle est gros, hein, ici, là. Vous savez ça, dans la cour? Dans la cour, il y a un gros feuille caloupinée comme ça. Il a la pierre bien tombée, alors, hein. Il l'a bien chargé, là, hein. Il a rebojonné. Hein? Tous les produits, il y en a ici, il manque rien. Ouais. À tout man. Viens voir ça. Ah, qui ça l'a fait là? Qui ça l'a dit? Qui ça l'a fait là? Alors, là pas Marlboro. Marlboro qui est sali? Marlboro qui est sali. Alors, qui ça l'a metté dans le village? Ça c'est le tout. À ce moment-là, là on noie ici alors, hein? Là on noie, hein? La fin arrive l'air, hein? La fin arrive l'air. La gagne est posée, hein? Et ma première, on rajoute du girofle dedans encore, hein? Y'attend ou bien rajoute pas? Y'attend alors? Y'attend le goût, voici le goût, les bons. Rajoute pas. Voilà. Hein? Ça pour voir, c'est un petit peu le goût ça. Hein? Voilà. Là, un bouteille ou bien il faut deux là? Un bouteille pour l'instant. Un pour l'instant. Et après, tout à l'heure, on rajoute le reste après, voilà. Éventuellement. Hein? Voilà. Là, ce couleur, il change là. Hein? Oui, change le couleur là. Allez. Mais bon, on est tout valide. Mais on laisse aller cuire un petit peu avec son vin. Hein. Ouais. Il y en a pour rajouter. Nous, on rajoute encore des petits épices. Allez, bon, d'accord. Là. Tonton, vous l'avez goûté, les bons? Hein? Normalement, les bons. Normalement, les bons. Hein? Les bons alors. Patrick, t'es bon? Ah oui, les bons. Voilà. Hein? Vous l'avez vu le massalé? C'est trop joli. Hein? Franchement, il est trop joli. Ah oui. Alors, comment on voit la couleur? Ils ont mis des fêtes Kali. Fête Kali? Ouais, vous connaissez, au début de l'année, comme ça, il faut manger un petit peu massalé quand même. On commence bien l'année 2020. Bah oui. Quoi que nous l'avons fini, mangez-nous le premier, le deux et tout ça. Hein? Je vais la rajouter dedans là. Avec
Le cuir avec le foie. Ah. Hein, j'ai dit les costauds, les durs. Il était déjà dedans. Et ça, le cuir, le foie, juste à la fin de la cuisson, ça, presque à la fin. Voilà. Pour une guerre routière. Pour guerre routière. Pour faire quoi? Cardiaque. Beaucoup des affaires, ouais. C'est automatique, ça. C'est automatique. Là-bas aussi, toi, tu n'as ça? Le petit passage de la bouche avant de manger. Cardiaque. Ah, tu te mets le foie dedans. Ah oui, ça c'est. Comme il coupe plus vite, ça. Ben, après, il enlève. Ben, et après, il coupe pas un petit morceau. Ben, ça, il goûte avant pour. Après, il n'y a pas rien qu'on boucle, ça. La première fois, on est là. Pour l'instant. Oui, oui. Ben, on a quoi, on couille aussi. Et là, il faut faire un comité restreint dans la pétrole. Avec la parité comme là, là. Il faut appeler tout le monde. Tu comprends? Elle est bonne, ok. Ne t'inquiète pas. Ah, ça, c'est le gros type alors. Non, il faut pomme de terre. Là, on l'a fait revenir à lui. Là, on ne pas un petit morceau. Vous l'avez vu comment on était un peu des gens du mal. Mais c'est la fête. Mais tout le temps comme ça. Tout le temps, on est comme ça, non? 2022 vient d'arriver. Ah bon? Ah, vous voulez où ça? Où? Ah, moi, au pomme. Au pomme, alors? Ah bon, d'accord. Et là, donc, ça fait un carré normal, et donc, vous assiettes là. Vous avez fait comme bonne dieu, madame l'autre, t'es fait où? Comme vous m'aimez. Comme vous m'aimez, t'es fait, ah, voilà. Mémé, là, on a soignon d'un côté. Tu rougis un petit peu, les oignons. Hein? Et après, de l'autre côté, on est là, l'ail, gingembre, sel, poivre. À tout. Après, il me laisse jouer à nous rouger un petit peu. Bon, ouais, bien sûr. Il a fait nous rouger un petit peu. Ramène la poêle de fils et ramène mon petit carré porc là, mais il me vient rajouter un petit peu calopilé. Un petit peu calopilé? Ben, un petit peu goût. Ouais, c'est vrai. Hein. Mais aujourd'hui, dans toute carine, il y a calopilé là. Dans le canard, il y a calopilé. Dans le porc, il y a calopilé. Et le massalé, forcément, il y a calopilé. Le mamie qui est là. Hein? Mais normalement, là. Pas tout de monde, il met calopilé. Ouais. Ah, mais il aime bien calopilé. Ah, ben ouais. Et quand au milieu, il met pas? C'est la fin. Ah ouais, dis bon là donc. Et surtout, on m'a mis un piment. Vous l'avez pas vu? Bon là, j'en m'aime pas trop. On m'a mis des petits grains. Mettre des petits grains. T'as pas maman, il a été là. Hein? Vous l'avez bien, maman, il était là ou là? C'est bon là, calamme. C'est bon là, il connaît comment il est. À moi, piment, on carré comme moi. Mais il y a le camarade Toto de l'autre côté là. M'explique pas où, quand ça l'avait dans ma amie là, comme piment, dans ma salée là. Mais là, ça goûte ma vie, ma look de nous. Tu as un petit goût piment. Un petit goût piment, un petit goût même. Ça veut les bons. Ah, les bons. Et puis piment là, les bons pour la santé ça. Les bons pour la. Piment vert. Mais bien sûr, mais on devrait mettre piment vert même. Voilà. Et à moi, si là, ça va mettre piment sec. Vous mettez piment sec? Piment sec. Mesdames, pas mettre banane. Manet, moi, pas trop piment. Ah, vous mettez piment sec dedans? Piment sec. Ah, mais il faut bien réserver quelque chose, ce piment sec là. Hein, sinon, ici, vous venez pour manger ananas avec mangue de consommer. Il faut nous consommer. vous mangez ananas avec mangue, salade d'ananas, mangue. Avec de sel fin mélangé avec piment sec. Oui, mange bien. Ça est bon ça? Ah, ok, on voit qu'on mange ça là. Avant, on met d'autres bousses, hein, ou de l'angle là, on a de l'autre dessus. Ah oui. Là, on fait revenir les biens, tu m'as fait un gros plan. Voilà. Faut pas les croûtes, hein. Faut pas les croûtes, hein. Faut croûter, mais pas trop. Ouais. Et mes porcs, là, c'est une affaire, les bons, hein. C'est bon. Vous connaissez que le porc, hein, c'est le premier plat, enfin, la première viande qu'ils mangent en France après le poulet. Le poulet vient en deuxième position, le porc en premier. Mais t'es quoi, le bœuf? Non. Le bœuf, il doit être troisième ou quatrième. Ma papa, tu vois, jusqu'à là-bas. En tout cas, on a vu un reportage dans lequel on disait la consommation des Français, donc à nous en même temps, hein. Eh bien, c'est le porc. Là, ouais, comme de filet, c'est comme au porc. Eh bien, ça vient un petit peu là, hein. Parce que sinon, on va saisir la viande, hein. On va saisir les épices. On aura saisir les épices, hein. Bon, et là, on rajoute le reste, hein. Bonne light, voilà. Donc voilà, là le mélange d'épices que nous rappelle qu'il avait l'ail, gingembre, sel, un petit peu de poivre. Et c'est tout. C'est tout, là c'est ça, là c'est avec une pas trop compliqué. Ouais. Hein? Mais le goût est bon. Le goût est bon, voilà. Après ça finit rajouter un petit goût. Voilà, comme nous rajoutons un petit peu calopilé, voilà. Chacun peut rajouter un petit peu d'affaires, ce qu'il veut. Hein? Là nous, voilà. On rajoute un petit peu sillon aussi. Sillon aussi, ouais. Voilà. Mais ça c'est quand même mal bas, vraiment ça. Hein? Ouais. Ouais. Après ça, rajoute chinois. Nous peut aller plus loin, rajoute le massalé. Ah ben oui. Et safran, on rajoute aussi un petit peu dedans. Ah oui, mais. Là, tu rajoutes un peu safran sous là. Colorier un peu, parce que là, c'est un carré créole, ça fait là. Créole, il faut les jaunes. Il faut les jaunes. Les jaunes, oui. Ouais, sinon, sûr. Ça ne va pas les rougailles. Ah ben oui, mais parce qu'il existe aussi le rougaille la viande. Rougaille la viande, le porc, les oignons, tomates. Voilà, tomates bien rouges. Hein. Tomates bien rouges. Après, il y en a des trois, il rajoute gros piment. Gros piment, voilà aussi. Hein. Nous, voilà. Nous avons déjà fait ici aussi, ça. Ah, ouais. Mais c'est ça. Ouais. Mais bon. Fais un petit coucou à Manuel.
Manuel, c'est ma camarade à moi, c'est un pire, un malbar. Hein. Ben, coucou Manuel. Et lui, c'est lui qui fait rougaille la viande. Rougaille la viande. Voilà. Rougaille la viande, mais Miguel n'est pas si ça connu d'un temps. Bon, j'ai grand monde, mais là, pendant moi, c'était fait rougaille zosaï. 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 Il vient avec le zo dedans. Il vient avec le zo. Hein, ouais. Ça, c'est bon. Hey. Vous connaissez mon plat préféré, c'est quoi, ou hein? C'est un petit rougaille salé, hein? Ah, ben, ah, le rougaille salé, ah, là, moi, mais... il traverse la réunion, mais ça de l'autre côté, moi, pour un rougaille salé. Hein. Ben, c'est qu'elle nous va faire. Les bons, d'accord, les bons. Les bons. C'est rougaille salé, un petit peu de riz blanc, et un petit peu piment crasé vert sur le côté. Ah oui. Hein. Rien que piment, de, piment, le sel et de l'huile. Là, c'est tout. Là, c'est... Pas d'oignon, rien du tout. Hein. Pas rien. Ben, voilà. Il paraît qu'il appelle nous des épicuriens parce que nous aimons manger, nous aimons la bonne viande, bonne chair. Hein? Nous aimons ça, nous. Et là, on rajoute un petit peu le thé dedans. Hein? Voilà. On a un petit peu de goût. Hein. Un petit peu de goût. Voilà. Et là, safran. Hein? Safran. On va aller bien pêcher. Voilà. Non, plus que ça. Hein? Plus que ça. Ah oui, couper la tomate. Pour ajouter une petite tomate dedans. Assistant. Assistant Damien. Voilà. Tu coupes en quatre ou pas? Oh, plusieurs morceaux. Et merci. Une sauce piment. Essaye d'un Damien, écoute. Voilà. Rajoute un petit peu de tomate dedans. Assistant du chef. En tout cas, l'odeur sent bon, hein. Ça lave des riz? Des riz pour comment au fait? Ben bon, donc ça lave des riz, mais au fait alors? Ça va le cuisiner dans, c'est vrai ça? Ben nous, on a une vingtaine, donc 2 kilos de riz assez, hein? Ah, en fait, c'est 100 grammes par personne, hein? Ouais, 150 à peu près. 150, c'est beaucoup. Après, il y en a pour volaille, il y en a pour cabri. Non, mais là, on n'a rien que manger, ouais. On a mangé ici, alors? Non, David, ça, c'est joué pas, ça? Ah, c'est joué pas, ça, elle est bon, là. Bon? Ouais, mais cabri, il y en a ici, alors. Donc 150 grammes par personne? Ouais, à peu près. Ouais, ça n'a rien que bonne méchée. C'est bon, d'accord, alors. Madame, 70 grammes. Ah bon, d'accord. Il n'y a pas grand chose comme madame, il n'y a que Julie. Ah. Et après, tu as l'air dans la garde. On rajoute un peu de l'eau dedans. Et là, on rajoute toute pomme de terre dedans pour que les cuits dans l'eau. Hein. Voilà, les cuits avec là, un petit peu de la viande. La viande, comme on a fait vu au début. Ouais, ouais. Donc, un petit peu tendre. Ouais, ouais. Là, on rajoute le pomme de terre. Il va faire que l'eau est rajoutée. Après, normalement, ça va bouger. Et après, on couvre et on laisse cuit. Là, ça y réduit. Là, ça y réduit. Hein. Voilà, ou baisse un petit peu le feu. Non, là, ça saisit un petit peu avant. Ça saisit un petit peu avant pour après, que le pomme de terre, il prend un coup. Voilà, un instant, mis à garde. Après, il est bon. Après, on va goutte de sel aussi. Ah ouais, parce qu'il faut goutte de sel aussi après. Hein? Bien sûr. Voilà. Après, on est bon normalement. On est bon après. Hein? Voilà. À son affaire. À son affaire. Je ne mets pas le sel tout de suite, après, il réduit la tombe. Quoi, on met pas de sel tout de suite? La sel est cuit, quand elle finit cuit, on a mis goût de sel. Ah bon, d'accord. Et là où tu fais canard, là, on l'a fait comme la tradition il veut. Comme la tradition il veut. On la tire le morceau, le foie, le morceau, le cœur. Voilà. Hein? Des petits bouts de 10 pour goûter. Et des petits bouts de 10 pour goûter. Hein? Et là, là, son finition. Là, son finition. On rajoute la deuxième bouteille de vin dedans. Hein? Là, on ne rajoute pas tout, hein. Mais là, juste que. Dire que avec ça, hein. Le pire il y a pour dire. Le pire il y a pour dire. Son canard est noir. Là, son canard est noir. Plus que noir. Hein. Plus que noir. Hein. Nous ne connaissons pas encore ce que ça veut dire. Hein. Que ça veut dire ben, là, nous emploie des mots des fois que nous ne connaissons pas. Hein. Mais nous inventons. Nous inventons. Voilà, voilà. Son canard est noir. La cuisine c'est inventé. Mais nous inventons. On n'a pas rajouté le girofle dedans. Pour l'instant non. Comment l'a dit à vous? Pour rajouter le girofle là. Quand il arrive, comme moi, il a mis fait. Mais à partir de là, là c'est que Nakana Mani et Nakana ouais. Barbari. Ça, c'est Barbari. Ouais, ouais. Donc, du coup, et Mani, là, c'est Kana la cour. Ouais, ouais. Donc, du coup, des fois, son goût est plus fort. Ouais, ouais. Donc, il y a même à lire avec ça. Ah, mais ah, là, là, mal à goûter, n'a pas besoin. N'a pas besoin. Pas besoin. Pas besoin. Alors. Pas besoin. Mais bon, donc, pas c'est besoin. Pas une obligation de mettre girofle dans un civet. Non. C'est pas une obligation. Hein. C'est pas obligation. Ouais, ouais, ouais. Même muscade, rien, tout ça, pas une obligation. Non. Hein. C'est quand on l'a goûté ou la vie, son goût est bon. Ouais. Autre pas plus. Bon, rien que deux vins. En fait, vin. Vous l'avez fait comme un carré créole sans safran. Voilà. Plus ou moins plus ou aménagé. Moins. Voilà. Et puis avec le vin dedans. Voilà, c'est, tout, hein. C'est ça. C'est ça. Voilà. C'est ben, nous va goûter tout à l'heure alors. Ah oui. Hein? Ça, ben, ça, ben, pas de souci. Ben là, nous, ça goûte déjà le petit Gadiac. Le petit Gadiac. Gadiac. Hein? Bien, alors, le Gadiac. Ouais, Gadiam, hein? Hein, Gadiam, hein? Nous, on prend l'ail là, tout ça. Ça pas fait un petit piment blanc là? Ça, essayez. Ben, parce qu'à ce moment, il est à la mode, le piment blanc, non? Ben, tout de même. Hein, piment blanc.
Ah là, il y en a une petite poulet, une orange, un ligné, ça fait combien, hein? Ben, sinon, tu peux pas comme nos bonnes camarades oreilles. Voilà, voilà, il aime bien décorer les plats, hein. Voilà. Il est bon, alors. On le fait passer. Ça passe à Bana. Goûte à où, diamant, tu peux. Hein? Voilà. Alors. Rien à dire. Rien à dire? Les bons, mais goûte un coup, alors. Les bons, merci bien. Oui. Et voilà, les bons, alors. Là, on va rajouter un petit peu de vin. On va rajouter un petit peu de vin. À mon avis, il manque un petit peu de sel. Ouais, ouais. On va ramener un petit peu de sel. Ouais, ouais. Et là, ça est mijoté. Après, les bons, alors. Le riz, Bernard, l'a fini là-bas. Ouais, la Bernard, nous fait aussi son piment. On va les garder un petit coup un instant son piment. Bernard, piment fini. Là-bas, donc, piment. Un instant, monte-moi, alors. Hein? Voilà. Et après, avec un petit peu de riz, un peu de piment, le canard, le porc, le massalé, il va aller. Hein? Vous voulez pas de misère comme ça? Là, là, impossible. Hein? Impossible d'être misère. Ben, nous fait croire des fois, mais on ne peut pas être misère. Non. Elle est bon, ok. Sur la même que nous là. Non, mène son sauce piment, allez, monsieur là. Son sauce piment? Bah, allez, ah, c'est ça son sauce piment alors. Pour moi, il y a là-dedans là. Ouais, ouais, mais ça, c'est un piment blanc. Donc, non, parce que Bernard, des fois là, hein, ces derniers temps, il ne connaît pas où il aime les affaires les blancs. Hein. Non, ben moi là, comme il aime bien la façon indienne, comment? Faut pas oublier ça nous sort, notre racine aussi. Ah, un piment blanc. Hein, un piment à l'ail. Hein, peut-être que vous l'avez jamais fait ou ça là-bas? Non, pourquoi? Hein, c'est de l'ail et du vinaigre qui fait que tout est blanc. Hein, ah, mais... Il donne des idées. Hein. Voilà, ouais, typiquement indien ça. Et puis il y a Maurice aussi, on a aussi du piment comme ça, un peu blanc comme ça. Hein. Voilà, il change un petit peu de notre piment traditionnel. Voilà. Hein, David? Change un petit peu. Ah, moi, j'aime piment. Ah, oui, piment. Hein, que ça, mais, ça. Mais maman de Yaoula, allez-y, j'aime piment. Ça, franchement, j'ai jamais vu quelqu'un de mon vie qui mange autant de piment. Allez, piment sec dans le carré. Tout dit, hein, c'est vrai. Moi, je vais y aller là parce que je m'en dis, t'es pas contre, pas tout le monde est comme vous. Hein. Attention, deux autres. Moi, je vais mets ton compliment là-dedans. C'est bon, couche là, comment il est? Ça va, Jean-Claude? Ça va, ça bonjour, va. Bonjour, ça va. Ouais, ouais, ça va. Arrivé un petit peu tard. Un petit peu tard, ben. Bonjour mais... tout le monde, tous les électeurs. Première émission de l'année, premier, hein. Il faut dire bonne année là, non? Un petit bonjour à tout le monde. Big up tout le monde et bonne année, bonne santé à tout le monde. Hein? Un joli petit carnet. Ah, ouais, ouais, ouais. Alors, regarde un petit coup, ouais. Ah, mais bon, là, fini, faut mettre à table là, non? Fini. Faut mettre l'oignon vert tout dessus. Impeccable. Et ça, les... Comment on dit ça, hein? Les pas possible de passer à côté, hein? Le petit oignon, le petit persil dessus, là, hein? Petite décoration. Ah, petite décoration. Ça, c'est condition sine qua non. Ça veut dire, en latin, s'il n'y a pas ça, elle n'est pas bon. Non. Hein? Elle n'est pas bon. Là, on a gagné. On finit avec tout, là. Il arrête juste pour passer dans la bouche. C'est-à-dire. Passe dans la bouche, hein? et Christa, on arrive à la fin, mais surtout, tu vois comment il a fait ci, là. Il a fait ce là un petit peu à l'envers de ce que tout le monde y fait. C'est vrai? Bah oui, il a parlé. Par exemple, il va mettre son oignon, hein, il va mettre le thym, après il va mettre son tomate, hein, il va mettre son viande toute dedans, tout machin, et après il va mettre l'ail et gingembre et tout ça à la fin. Il ramène à lui. C'est tradition, moi, mon m'a fait comme ça. C'est pareil, ouais, mais fait goûter le. Une petite tradition comme ça. Voilà. On essaye. Voilà. Hein. C'est pas de riz dans la pâte. Hein. Ah oui, mais c'est spray, mon petit. Ouais, mais Charline n'est pas là, comment il fait? Non, mais pas barquette pour lui. Oui, barquette pour Charline. Patrick est là, même pour lui. Bah oui, Patrick est là. Hein. Bah, à côté, c'est un massalé. Un petit massalé coq. Coq frais, parce que là, tu es ce matin, hein, coq là. Amène les voitures. Voilà. Eh bien là, joli le coq. Hein. Voilà, la donc c'est la pâte. Hein. Il y en a deux pâtes. Deux pâtes. Hein. Trois pâtes. Trois pattes, ben, il manque elle parce que. Non, il manque encore parce qu'il y avait trois coques. Ah, là-bas. Elle avait trois coques. Elle est bon. Et après, l'autre côté là-bas, Léna, le porc aux pommes de terre. Mamie, t'as pas pour rien. Non, là-bas, la poêle, là-bas. Voilà. Donc, vous avez trois plats aujourd'hui, Christian. Hein. Ben, c'est super. Super, hein? Ben, n'y a-t-il à ça? Ben, il est bon. Là, nous, ça goûté. Nous, ça goûté. Il va te dire après. Après, vas-y. Et vous avez vu, ici, comment il est? Ben, dès qu'il a fini, il nettoie. Il nettoie, il met propre. T'as mal à voir, un petit coup. Hein? Ben, il n'était pas besoin de nettoyer, mettre propre. Là, nous, on y vient à l'heure. Il faut nous l'organiser aussi, non, nous. Ça, c'est la base. Ça, c'est la base. Faut la ramener, il faut nettoyer. Mettre propre. Mettre propre. Il est bien, mais. Hein? Ouais. Et après, il faut imaginer que le Radomounia vient faire la cuisine. Et voilà. Ben voilà, voilà. Tout est propre. Tout est propre. Les bons là. Ok. Bon, ben, dans un instant, nous mangeons. Okay. Mais Maliwa, un petit peu banane en attendant. Hein? Okay, les bons. Bernard, tout est prêt? Bernard, on a notre piment, nous, piment blanc, t'es là, mais on va prendre un peu de piment à la pâte Soleil Réunion aussi, là. Oui, pour nous présenter un peu Soleil Réunion aussi. Voilà, un petit peu de piment à la pâte Soleil Réunion, parce que Soleil Réunion, c'est pas rien que le greffe aussi. Comment il s'appelle? Gérard. Voilà. Bonne année, hein?
Les beaux. Allez. Hein, oui. Bonne année tout le monde, comment pas vie. J'espère passer une bonne année et j'espère que cette année sera meilleure que l'année dernière. Ben oui, voilà. Voilà. Comment j'ai mis un petit mot là? T'as vu que ça m'a mené là? Rouge. Hein? T'as vu que ça m'a mené là? Ma vie. C'est à moitié pour moi tout seul. Moitié pour tout seul. C'est beau. Bon, on va manger là, hein? Bah oui, n'a attendu que ça. Ah, parce qu'il paraît, il n'avait pas de diabète, t'as dit comme ça, il faut le manger tout de suite. Ah, mais si on fait d'ailleurs 45. D'ailleurs 45, ou bien 45. Donc, toi, dis ça manger, regardez là-bas. Vous voyez là, hein? Le buffet, il est là-bas, là. En tout cas, Banassi, elle commence par une guitare, là, hein? Si ça n'a pas, on commence par une guitare, il mange vite. Eh, vous, là, on connaît comment il est Jean-Claude. Ouais. Mais nous, après, c'est tellement les valables, t'es là où on entend le bruit de l'eau descendre. Bah ouais. Hein? Où on entend mon lundi cri, cheval. Et ils ont le décarri. C'est là que c'est bon. Fais un petit coucou à David. Ben, fais un coucou, mon dalon David Temez. Ouais. Ben ouais, il n'y a pas qu'à monter, ben. Mais manger avec lui. Mais manger avec lui, même sur Pani, à nous sortir avec lui pour où? Ben, coucou, le snack, le petit créole Saint-Paul là-bas. Mais bon, on est d'accord, en tout cas, on a dit merci, hein, parce que. Où était la cuisine, hein? Et porc, pomme de terre. Après, nous avons d'autres dallons là-bas, nous allons aller voir ça un instant. Mais en tout cas, nous sommes mangés, les bons. Ah non, on est bon. Allez, les parti. On est parti. Les bons, hein. Bon, David, nous finis par quel morceau? Il ne connaît pas le destin de la vie, le chemin de la vie, qu'on s'y donne. Ouais. Dis pas moi, bon Dieu, bon voyage ou pour moi. Dis à moi plutôt que ça, c'est le destin. Ça y arrive une fois dans la vie, l'amour comme ça, oui, ça y trouve pis. Mais pour l'instant, Jean-Claude a les films Bonna. Bon, puis les films Bonna, là, le bas. Ok, David. Bon, allez, nous allons aller manger un instant. Hein? Allô, les bons, oui. Ou aussi la diabète, non. Ah ben non, hein? Mais il faut faire attention donc, quand même. Attention, hein? Parce voilà. Que Toto est fragile, donc Toto est fragile. Faut pas que nous attendions trop nous, longtemps. On prend soin de nos anciens, on prend soin de toutes les personnes qui nous accompagnent, hein, bravo, tous bravo, les jours. Bravo. Voilà. Il y a une bonne parole. Bravo, on prend soin hein? D'eux, donc s'il faut manger, ben nous sommes mangés. S'il faut laisser les autres manger avant, ben nous laissons les autres manger avant. Les bons. Voilà, la santé avant tout. Les bons. Et bonne santé encore à tout le monde. Les bons, hein. Voilà. Dina, comment ça va? Bonjour, bonne année tout le monde. Oui, merci d'être dans la première émission de cette année. C'est un honneur. Ah. Bon, on nous dit bonne année à tout le monde. Bonne année à tout le monde. Et plein de bonnes choses pour tout le monde. La santé, la joie, la prospérité et la réussite pour tous. Voilà. Et nous va retrouver cette année encore. Exactement. Exactement. Hein? Elle est bon, là. OK. Hein? Bon, Patrick, merci bien. Hein? Bon, mais laisse notre cerveau. Et puis, on nous retrouve un instant. Hein? Alors Jean-Paul, hein, petit souvenir de la réunion. Ah oui, ça par contre, là comme dit le... Julie mais comment ça s'appelle? Julie, comme dit Julie. Ça petit manger la réunion. Hein. Mais là, elle est super bon. Là, ça régale, moi, là. Ah, ça, elle est bon, là. D'accord. Là. Malgré c'est la pipe David Luizin, là, des brillants, hein. Moi, il mange. Ah bon. Ouais, mon gars, il garde la main là-bas. Madame, on va faire un petit coucou, madame. Mon madame. Ben là, point. Quel point? Okay. Hey, regarde ça! Ouais. Ah, ça qui est baisse! Bon! Hein? Il s'adore que tu les trains, je vois! Mais non, elle, je plaisante. Mais tiens! Voilà, vous voulez pas venir à la réunion? Bon, regarde comment manger les bons là. La pointe est salée, elle n'a rien dedans là. Oh, regarde simplement là, quand on va filmer, regarde ça là. L'année, la canard, la pâte, maintenant. C'est des coques, là, dit. Massa des coques. Massa des coques. Et après, porc, pomme de terre. Porc, pomme de terre. Et, bon. Et tout ça, c'est Julie qui avait fait mission à la zone. Merci beaucoup, avec amour. Bon. Julie, son madame, c'est madame Zoraï. Oui. Mais cause créole plus qu'elle. Ben écoute, je souhaite en tout cas à cette. Ben moi, je souhaite à cette dame, en tout cas, ben un bon appétit. Hein, si elle regarde à nous à ce moment-là. Ah oui, mange, ça vous souhaite un bon appétit. Michel aussi. Une bonne année. Et une très bonne année. Et voilà. Ben, j'espère rencontrer elle à la prochaine, n'est-ce pas, monsieur? Ah, bien sûr, bien sûr, elle n'a pas de problème. Bon, ok, alors. Hein, voilà. Hein. Donc, ou des assiettes, c'est bon. Hein, ça va. Hein. Et pourquoi on a deux assiettes ou? N pour moi. Ah bon, d'accord, les bons. Qu'on balance, hein. Les bons? Ok. Mais Jean-Claude, oui. Mais par contre, un petit peu ancien, mon dallon Jean-Paul Volney là. Manger là, t'es bon, manger là, t'es bon. Et le clip, t'es fait ici. Ah oui, en plus. Voilà. Mangeant la terre. Tiens, Jean-Paul, soit nous là-haut, ben nous les là. Voilà. Ok, alors un petit peu ancien, Jean-Paul. Ah oui. Jean-Paul Volney. Certain. Alors, là, c'était bien. La pâte, ah, l'obligé. L'obligé. C'est bon, ok, alors. Là, ça fait plaisir la bouche. Les bons. On rentre bientôt, donc peut-être que arriver là-bas, dans août.
dans le bon menu, là, sur la liste des menus, on a masalé aussi. Non, le masalé. Masalé cabri plutôt. Masalé cabri, mais il fait tout le masalé poulet, tout mais masalé coq. Nous... Où on trouve le masalé où ça là-bas? Le masalé, des fois, il acheté là-bas. Ouais. Et sinon, ben, on a des amis ici, il fait masalé. Là, mais on profite, mais ça amène, mais il fait mon stock là. Mais il faut un gros valise, ça paye sur plus ou là? Nous, après beaucoup, nous les a dit, nous a 96 kilos, mais après, on a acheté en plus. Après, bon, d'accord. Nous fait colis en plus. Ou la fin? Oui, pas vraiment. Vous l'avez moins fait, bon, on me laisse manger alors, hein? Merci beaucoup.